3 ans, nous avons effectué un tour du monde à vélo de 54 000 km en quête de rêves, de défis et de partage. Dans les Vosges, l'équipe Inbo fabrique des skateboards, des lunettes et des vélos en bois 100% made in France. Leur savoir-faire, allié à notre désir d'aventure, transforme le rêve en réalité. Fabriquer des vélos en bambou équipés de pneus extra larges destinés à affronter des sentiers d'altitude et des températures extrêmes. Ça, c'est un peu inquiétant de se dire est-ce que le bambou va tenir le coup ou pas. Ça met de l'adrénaline dans le départ, quoi. L'idée est d'explorer les montagnes du Pamir au Tadjikistan et d'aller à la rencontre de communautés isolées. De renouer contact avec eux, ça va nous remettre dans une démarche un peu d'humilité, quoi. C'est-à-dire de revenir vers les choses simples. Je crois que c'est aussi ça qui attire dans ces régions-là, c'est l'Asie centrale en particulier. J'ai beaucoup de plaisir à me lever tous les matins et me dire que je fais quelque chose qui me passionne et aussi que je véhicule des idées et que je peux faire ça aussi finalement à travers des aventures. Depuis chez soi, jusque dans les montagnes du Tadjikistan, l'aventure intervient comme un moyen de valoriser des initiatives à dimension humaine et ainsi donner un sens à ce que l'on entreprend.